passé chez lui? Eh ben, Scopo nous a doublé. Puis maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez vous tirer à la vitesse grand V, puis vous descendrez à Pigalle, hein, pas avant. Parce que les poulets d'abord, puis les harengs après, moi j'en ai jusque-là. En somme, si on écoutait madame, on cravaterait le mec en plein jour, au beau milieu d'une gare ou d'un troc. Et on lui cuirait la plante des pieds devant 100 personnes en lui demandant où il a mis le pognon. Parce que j'ai de la tête, moi. Oh oui, pense à oui, t'as de la tête. Ce qui te manque plutôt, c'est de l'estomac. Et je suis poli. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Je crois qu'ils sont plutôt venus chercher quelque chose que j'avais pas, tiens, de là, mon pognon. Plus très jeune, goinfre, pas poli, rouspéteur, et avec ça toujours en promenade. Alors, je me demande bien pourquoi je t'aime. Parce que je suis beau. Je t'ai peut-être aussi envoyé coucher chez ta poule. Encore 2000 bornes et il est fini de rôder. Moi, j'aimerais mieux qu'il soit fini de payer. J'aime mieux dire que ça coûte plus cher qu'une femme du monde. Il me répondra que c'est moins emmerdant, mais quand même. De Ré, vous serez puni pour avoir dérangé la classe pendant la dictée. Vous me ferez un problème. Monsieur Chap? Madame. Je suis Madame Scopo, Madame Veuve Scopo. Je sais pas s'il en avait un coup avant ou si c'est moi, mais hier, il est mort. Mon mari transportait une somme, une très grosse somme d'argent liquide dans une serviette de cuir. Je vous répète que j'ai les questions d'argent en horreur. Mais n'auriez-vous pas, par hasard, aperçu cette serviette? Je t'ai même pas demandé ce que c'était. Attends, attends, je vais deviner. Des fruits confits? Non. Un foulard? Non. C'est dans le genre vêtements? Oui et non. J'invente rien. C'est bien toi qui m'as dit, s'il parle pas, je lui fais la grosse tête. Et si je suis à Brunaud, c'est pareil. On va même y aller ensemble, tiens. Non, pardon, c'est moi que ça regarde. Mais comme ils sont plus rapides que moi et qu'il faut que je les approche, je vais vous dire ce qu'on va faire. Thank you.